Le football, c'est ma vie, c'est ma passion et mon travail. Nous, on est une équipe où on est quand même pas mal de jeunes, où on est en train de aussi se construire pour les années qui arrivent. Et c'est sûr qu'on joue avec nos forces, on joue avec nos qualités. Et c'est sûr qu'Anderlecht et Louvain sont nos deux plus gros concurrents. Et voilà. En général, c'est plus du stress positif. Et c'est sûr que voilà, il faut monter sur le terrain avec une mentalité de gagnant. Que le foot féminin est en pleine évolution et qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ok, c'est un football très différent des garçons, mais nous on se bat pour le blason, on construit du foot. On est peut-être moins physique, mais en tout cas on est plus technique. Et je pense que c'est vraiment important de suivre le foot féminin parce qu'il est en plein essor. Le club fait beaucoup d'efforts pour l'équipe féminine et ça nous fait aussi évoluer, ça nous donne aussi la chance d'être... C'est aussi pour tout ça, ce qu'il y a autour de l'équipe, qu'on est première égalité avec Louvain aujourd'hui. L'équipe des filles, on adore jouer ici à Sclessin, même si voilà, peut-être que le stade il est vide, mais c'est pas un problème pour nous. On sait qu'on a la chance de jouer ici et voilà, c'est vraiment super bien. On va le remplir. C'est pas nous qui ayons la pression d'être championne. Voilà, on est arrivé là, on est premier ex-aequo avec Louvain à l'heure actuelle. Et on ne nous attendait pas du tout au début de saison. Et donc voilà, on a fait notre petit bout de chemin. Maintenant, on va continuer. Et si ça se trouve, ce sera la grosse surprise. On va tout faire pour. Mais en attendant, Louvain et Anderlecht sont plus prêts d'être championnes.